Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SimCity. Aujourd'hui, boum, on prend évidemment le fameux champ de la cuvette qui va être évidemment notre nouvelle zone d'habitation. Mais attention, parce que vous l'avez peut-être vu l'espace dans l'instant, on est sur une zone un petit peu spéciale, une zone avec pas mal de pétrole. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait ne pas être con d'exploiter ce pétrole et de le récupérer pour pouvoir financer toute l'énergie en gros de la zone et que je suis industriel puisse puiser dans les ressources de pétrole ici pour avoir de l'énergie. Donc, dans le champ de la cuvette, il y aura des ressources de pétrole, alimentation des batteries de laser à fusion. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, comme ce que je dis assez souvent. Il y a un tweet qu'on m'a balancé récemment et qui m'a fait beaucoup rire, qui était « Ouais, en fait, Hunster, dans ses vidéos SimCity, il prend des mots au hasard, il les met ensemble et il espère que ça va faire une phrase. » Et je me suis dit « Putain, ce serait drôle de faire ça pour de vrai un jour. » Genre vraiment, vraiment partir sur « Hey, c'est une bonne idée de faire ça. » Et là, boum, je fais que des phrases qui veulent rien dire. Bref, donc, ne perdons pas plus de temps pour rien. Nous allons réfléchir à la zone. Vous voyez que là, c'est pour ça d'ailleurs, parce que la dernière fois on me l'a demandé, donc pourquoi il y a un cadre rouge autour, c'est parce que j'ai mis pause. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déjà appuyer sur, je crois, F5. Non, pas F5. Bon, on aura fait genre, mais on va pas faire genre longtemps, on va la regarder ici. Voilà, carte du pétrole. Notre zone pétrolière est ici. Notre zone pétrolière est ici. Donc, il faut prévoir cet emplacement-là pour autre chose. Enfin, pas pour... voilà. Ici, on a notre zone charbonique. Mais on va pas exploiter les deux, donc on s'en fout. Minerai, il n'y en a pas. Carte du commerce, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de... voilà. Donc, ok, donc, on a ici du charbon, donc pour l'instant... du pétrole. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur ailleurs. Sur ailleurs, et dans ce ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va faire quelque chose de très simple. Alors vous me connaissez, quelque chose de très simple, c'est jamais si simple que ça. On va prendre une avenue à densité moyenne. Hop là. Voilà. On va l'augmenter jusque 3881. Attention, c'est précis. Ok, donc c'est pas exactement la même chose, mais ça fera l'affaire. On va prendre notre outil arc de cercle et on va faire un arc de cercle. Jusqu'à obtenir un arc de cercle assez stylé. Voilà, celui-ci est assez stylé. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que tu fous, monsieur Blicher? Ça n'a aucun sens. Ceci... qu'est-ce que tu fais? Explique-nous. Qu'est-ce que c'est les histoires? Et donc là, eh bien, on va continuer ça jusqu'à 2500. On continue ça jusqu'à 2500. Et on remonte. Pas avec cet outil-là, même si on a utilisé l'outil arrondi depuis tout à l'heure. C'est une mauvaise chose. On remonte comme ça jusqu'à 7000. 7037, hein, pour être précis. C'est important. Ça va augmenter notre population. Non, c'est faux. Au cas où il y a un mec qui se dit, c'est vrai, 7037, ça augmente notre population. Non. Ou 7036. On est très très bon, 7036. Et là, on va changer d'outil, on va arrêter d'avoir des avenues, parce que ça coûte cher ces merdes-là. On va prendre des rues de faible densité. Je prends pas des trucs totalement merdiques non plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue ici sur... non, on va continuer de l'autre côté, excusez-moi. On continue ici sur 887. C'est très important, 887. Et ici, évidemment, sur... 880 quelque chose qui sera 892 74. Non, il y a un truc entre les deux forcément. Ah, 90, c'est très bien. Voilà. Et là, là bon, on a plus de thunes. Là on a plus de thunes, donc on va commencer à mettre le zoning. On met play juste histoire de et on va hop là, se mettre en comme ça les... d'un instant, vous allez voir, ça va être très très badass. J'ai eu une idée de génie. On m'appelle le Messie dans le milieu de la messinerie. Donc ça devrait, genre, personne peut me fournir de l'électricité. Tu sers à quoi, toi? T'es censé être relié. Oh, on va lui voler de l'argent parce que sinon on va être dans la merde.
Parce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes ce dont on a besoin à l'heure actuelle. Ah, plein. Elle est trop cool cette ville. Sous cet angle-là, elle est un peu moche. D'ailleurs, je vous le dis parce que je l'ai fait hors caméra. J'ai rajouté voilà des parcs du millénaire. Vous voyez que ça fait des nouveaux lampadaires ici. Il y en a un ici aussi. Je crois que j'en ai mis que deux. Parce que faut pas déconner, c'est pas la fête. On va s'occuper de la destruction des bâtiments abandonnés pendant que notre argent est en train de monter. On n'est pas très très riche hein, sur cette ville, en tout cas pour l'instant. Pas de boutique ou de parc. Vous voulez un parc? Mais il y a un parc, il est plus loin, c'est tout. Bâtiment en feu, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui vraisemblablement arrivent. Et on est bon, on repasse en mode région et on vole tous les pesos en envoyant de l'argent ici. On va offrir, allez, 30 000. Parce que je suis un peu en merde. J'ai un peu des soucis de thunes. Donc on va offrir ce qu'on peut offrir. Lui, il a un peu moins de soucis de thunes. Il s'appelle Je suis la base en même temps. Donc heureusement qu'il a pas trop trop de soucis monétaires, j'ai envie de dire. Je suis la base, charge-toi s'il te plaît. Je suis la base, charge-toi s'il te plaît. Elle est classe cette ville. Elle a son petit style et tout. Elle a pas énormément énormément d'habitants. Mais je l'aime bien. Puis elle génère de l'argent, donc je ne peux que l'aimer. Alors, on va envoyer de l'argent tout là-bas. On va lui envoyer un petit 300 000, voilà. Petit peu d'argent de poche, quoi. Et parce qu'on y est aussi, on va leur envoyer à Je suis industriel un petit 100, 200 000. 200 000. Non, pas max. Max, c'était le mauvais bouton, hein, je vais pas foutre la merde, mais je peux pas me permettre. 250 000. Ah, mais j'ai l'impression que je ne peux pas envoyer parce que j'ai déjà un envoi en cours, cadeau en cours. Zut. Bah, désolé, je suis industriel à cause de Chant de la cuvette. Fais attention. Eh bien, tu ne peux rien avoir pour l'instant. Donc, on est de retour sur Champ de la cuvette. On est de retour sur Champ de la cuvette et on va mettre le zoning. Zoning très très intelligent qui consiste à faire ça. Non, attendez, attendez. Pas si intelligent que ça, voilà. On va mettre un peu de shop au milieu quand même, histoire de. Et voilà. Et voilà, les commerces s'ouvrent beaucoup plus vite que les habitations. C'est un fait. Mais voilà, il nous faut l'hôtel. Ah non, il faut de l'eau et l'électricité, sinon ils vont pas vouloir. Oh, c'est ici. Électricité, ça va arriver sous peu. On va être à l'éolienne, ou sinon on est au pétrole direct. Non, non, on est à l'éolienne. On est à l'éolienne, ça va bien se passer. Pourquoi? Tout simplement parce que le truc à pétrole, je vais le mettre loin. Mais vous allez voir, il y a une idée, il y a un plan, il y a un truc. Pour une fois. Enfin, pour une fois. Non, assez souvent quand même, j'ai des trucs un peu réfléchis pour SimCity, puisque j'ai pas envie de faire n'importe quoi sur ma région. Bref, hôtel de ville. Oh là, le classique hôtel de ville qu'on place comme ça, voilà. Qui a du terrain pour faire ses champs. Fermé pour processus d'embauche, quoi. Le maire, il est embauché. Ah, maintenant, on peut lui donner un nom. Je suis un dortoir. Je suis une ville dortoir, ça faisait trop lourd. Bref. Pardon. Comment va-t-on faire? Bien, c'est très simple. Le milieu étant marqué de ça. Non, il faut que je reclique comme ça là-dessus. Voilà. Le milieu étant marqué de ça. On va faire un truc comme ça. Et ensuite, on va reprendre nos rues simples et on va passer d'argent. Mais en fait, on va tout simplement le relier jusqu'à ici, par exemple, enfin où on veut, et ça fera très bien l'affaire. Alors, on attend un petit peu histoire d'avoir plein de money money qui arrive par magie. Allez, money money, arrive par magie. On se met en vue comme ça pour essayer d'acheter de l'électricité. Ah, elle veut vraiment pas. Ah, on peut acheter des déchets des eaux usées. Ça, c'est cool. Là, il n'y a rien à acheter. Camion lourd d'Oméga. Cool. Ok. Grands travaux. Non approuvé. Oh, c'est pas cool. Et ça, c'est approuvé, ça. Ouais, c'est approuvé.
Je pense qu'on va faire un truc stylé. Je sais plus lequel on a fait de l'autre côté, donc je peux pas faire genre et tout, j'ai une mémoire de merde. Mais on va faire un truc stylé, ça va bien se passer. Hop là. Voilà. On a une maison. Et il nous faut de l'argent pour la finir. Donc on peut faire sauter ce truc là, qui n'était pas important, ce truc là non plus, qui n'était pas important, enfin qui n'était pas plus important que nous filer le centre. Et niveau énergie, est-ce qu'on est bon? Oui, on a un léger excédent. Excédent assez misérable, hein, évidemment, mais excédent quand même. Alors maintenant, il va falloir comprendre si est-ce que ces gens savent ou ne savent pas aller travailler. C'est con, hein, mais le travail, il faut prendre le train. Ou il faut prendre d'autres moyens, mais en tout cas, le train qui va être installé. Bah, tout de suite, je n'ai pas normalement l'argent. Pas le train magnétique, qu'est-ce que je fais? Train. Je n'ai pas, voilà, je n'ai pas l'argent, mais l'argent arrive. L'argent ne va plus être un souci d'ici pas longtemps. On va pouvoir, voilà, continuer nos bêtises en faisant ceci. Et là, la grosse idée. Donc, bon, vous avez compris, hein, je l'ai pas dit encore, mais on fait une maison. On fait une maison, et toute bonne maison, j'habite en appartement, donc vous pouvez critiquer comme ça si je dis des trucs que les gens qui ont des maisons n'approuvent pas, mais toute bonne maison a une cheminée. Eh, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. C'est pas placé exactement comme je voulais, mais pas mal, pas mal. Et donc on va créer notre cheminée. Voilà. Je vais quitter ce truc, voilà. On va créer notre cheminée. Et voilà. Je vais laisser cette barre là parce que j'ai envie. Et donc là, théoriquement, sur cette partie de la cheminée, je peux exploiter le pétrole. Suspense. Eh. Ma cheminée est un peu petite, mais ça le fait. On va d'ailleurs l'agrandir, cette cheminée. Pour l'agrandir, c'est très simple. Vous prenez cet outil là, vous faites eh à base de cheminée. Voilà. Comme ça. Et vous cassez la liaison du milieu. Et comme ça, vous l'avez fait avec une économie énorme de ressources. Enfin, de clics surtout. Parce que les ressources, on s'en fout. Donc, on a 40 000 qui sont arrivés. On a ça qui nous dit des choses du genre améliorer. Ah, on va pouvoir taxer les gens comme des gros connards. Et ça, on aime bien. Voilà. On installe quelques petites habitations. Hein. Faut pas qu'il y en ait trop. On a toujours un excédent ici. On va installer évidemment au haut de notre. De notre cheminée, une centrale à pétrole. Et ouais. Boum, à base de centrale à pétrole. Et là, boum, c'est l'idéologie de la maison qui est remise en cause par des principes néo-chrétiens. Boum, boum, boum. Voilà. Ça, tu peux être fermé. Je te ferme juste temporairement, voilà. Et puis maintenant que l'éolienne s'est éteinte, et bah, je te détruis. C'est comme ça que ça marche dans mon pays. Alors évidemment, pour que ces gens vivent bien, il faut traiter leurs déchets, il faut faire pas mal de choses, donc on devra s'en occuper. Mais on va y aller étape par étape, on va pas faire que la ville se développe trop vite. Regardez, hein, j'ai mis des avenues certes, mais j'ai mis que des bâtiments à densité faible. Excuse-moi, j'aimerais remettre les régions que j'ai plus. Non, je vais me faire enculer, laisse tomber. Bon allez, on va s'occuper de notre train allemand. Deutsche Qualität comme toujours. Pas assez de money. Ah, on va faire un emprunt. Un petit emprunt, allez. Petit emprunt parce que l'argent arrive. Hein. L'argent n'est pas le souci. L'argent n'est vraiment pas le souci ici. Voilà. Et là, on fait le raccord le moins charismatique de l'histoire des raccords charismatiques. Angle trop important. Ok, donc on vient de perdre 40 000. On va perdre 40 000 parce que je pourrais faire un truc ghetto, genre récupérer sur le côté et l'implanter un peu à l'arrache et tout, mais j'ai pas envie, c'est pas joli. Donc on va perdre 40 000, mais c'est pas grave, on le décale ici. Et on fait cette fois-ci notre liaison sans souci aucun. Sans souci aucun, à l'exception de l'outil.
Voilà. Qui fait des trucs dégueulasses et... Ctrl Z. Non, ça ne marche pas, c'est vrai. Le mec ne sait même pas cliquer. Hop. Voilà. Ah, là, on crée des galères dans la circulation. Là, c'est de la route pas homologuée. Là. Parce qu'on passe sur du double deux voies à un simple une voie. Voilà, le code de la route de l'infini. Code de la route de l'infini, mais c'est la galère. Attendez, ralentissez. Ralentissez, vous allez trop vite. Alors, essayons de comprendre. Là, le feu est vert, vous y allez. Avec des voitures avec l'arrière ouvert. Là, le feu, il était rouge. Le mec, le feu est rouge. Mec. Je suis sûr que vous avez pas le droit de faire ça. Hein. Là, il est vert. Ah bah quand il est vert, vous passez quand même. Ah et elle passe. Ah. Mais c'est fait écraser. Mais c'est complètement fait écraser. Je vais arrêter de regarder ça. C'est pas sain du tout. Pas sain du tout. On va rembourser notre prêt. L'obligation B. Donc, on est bien, on est cool, et maintenant on va se concentrer tout de suite sur la spécialisation de notre ville, qui sera évidemment... Qu'est-ce qu'il y a là ? Méga tour, l'académie, jeu. Mais pourquoi ils me font chier avec ça ? Jeu, on pourra en mettre. Jeu, on pourra en mettre. Ça peut être intéressant. Puits de pétrole, et il y a 5 bâtiments industriels. Ah ! Pas de soucis. Il faut, pour être industrialisé, il faut un peu d'industrialisation. Je m'y attendais pas. La cheminée est industrielle. Hop. Voilà. Voilà. Et donc là, on a assez normalement de bâtiments industriels où ils vont arriver. Attendez, pour qu'ils arrivent plus vite. Voilà. Bâtiment industriel is coming. Les résidents de Je suis un dortoir trouvent du travail et je suis industriel. Papa, c'est le grand chelem, mon gars. C'est l'apogée. Swagman. Pardon. Je suis l'un des plus mauvais imitateurs de Swagman jusqu'à aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à apprécier. Siège pétrole, puits de pétrole, carte du pétrole. Le plus intéressant de notre côté. Oh, je peux même mettre de là. Ouais, je vais mettre de là. De l'industriel jusqu'à ici. Allez, hop là. Et le plus intéressant serait de mettre ici. Pourquoi ? Parce que le bâtiment sera sur une zone inintéressante et on pourra le développer sur une zone intéressante. Allez, il nous manquait un bâtiment. C'est qu'une question de minutes. Une question de très longue minute a priori. De minutes de type heure. Voilà. Est-ce que. Ah ouais, là t'es un peu dans le rouge, là. On va te mettre en mode ghetto. Non, on te met ici. Ah, les gens sont pas contents. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Hop là. Et là, boum. Attends, ça c'est quoi? Allez, on va prendre les versions améliorées, écoutez. On va prendre les versions améliorées, on pose évidemment un petit panneau. Et on va commencer aux endroits super rentables, parce que ça sert à rien de faire des trucs aux endroits pas rentables. Voilà. Eh ho, on rentre du boulot. Si ça c'est toujours très rentable. Bon, on en a assez, il faut pas non plus être dans le... Dans la surproduction. Fermé pour processus d'embauche, évidemment. Évidemment. Et alors lui, il accepte les livraisons mondiales, malheureusement. Hein. On est obligé de se l'imposer par sécurité, même si dans la théorie, il n'aura pas à aller exploiter les livraisons mondiales, parce que c'est pas son travail. Ensuite, on va rester dans le RP de cette ville, ici, dans cette zone-là. On va créer un demi-étage. Un demi-étage pourquoi ? Parce qu'en fait, on va avoir une cave... avec un deuxième étage. C'est fréquent dans plein de maisons dans ma tête. Ouais, juste dans ma tête par contre. Je sais pas si dans la vraie vie ça existe. Ok.
Et sinon, si je faisais comme ça, voilà. Hop là. Le demi-étage. Et le demi-étage, eh ben, il sert à quoi? Il sert à stocker des ressources qu'on va venir stocker sous peu. Alors, les ressources, le stockage, il est ici, voilà. Et c'est entrepôt commercial ou port commercial. On va partir sur l'entrepôt commercial qu'on installe comme ceci. Gérer les imports, on ajoute. Et là, on prend stockage d'huile. Stockage d'huile encore. Stockage d'huile toujours. Et limite atteinte. Et limite atteinte. Donc, on détruit ce stockage d'huile. Parce qu'il ne m'arrangeait pas d'un point de vue RP. On installe évidemment quelques petites camionnettes. Dont une qui bloque l'entrée. Je suis... Ah non. Si, si, elle bloque pas l'entrée. Voilà. Et donc maintenant, gérer les importations export. Livraison locale de pétrole brut. Oui. Gérer les importations machin machin. Exporter pour 8678. Fermé pour entrepôt plein. Donc on va éditer et lui rajouter le maximum de petits camions. Et là théoriquement, tu deviens intéressant. C'est-à-dire que tu prends avec des camions du pétrole, voilà, t'as tout compris. Et tu les envoies dans les trucs de stockage qui vont nous permettre instantanément de revendre. Le truc arrive, voilà, ils l'ont encaissé. On en a 1000, alors je crois qu'on revend par l'eau de 2000. Non, on revend par l'eau 2000, on va voir si ça part instantanément ou pas. La vitesse de vente est importante pour la surexploitation du marché, évidemment. Le marché monde, hein. Le classique. Alors, je crois qu'il y en a qui est parti, mais j'ai pas trop fait gaffe. Parce que je suis un mec comme ça. Vas-y, passe à 1000. Passe à 1000. Je répète, passe à 1000. Attends, mais en vrai, je peux regarder ici. Non, il y en a pas qui est parti, sinon j'aurais eu un apport qui s'affiche là-dedans normalement. Est-ce qu'il passe à 1000 à un moment? Suspense. Je peux rester là toute la journée. Tu ne sais pas qui je suis, je suis un putain de gueudin. Est-ce que tu passes à 1000? Est-ce que tu passes à 1000? Est-ce que tu passes à 1000? Non. Non, il passe vraisemblablement pas à 1000. Après, peut-être que, genre, il passe à 1000 au moment où il est rempli. Comment ça, je trouve des excuses bidons? Genre ils sont dans les embouteillages. Ça va. Oui, tu passes à 3000 évidemment. Mais j'aimerais bien que ça vende. Bon écoutez, on va faire comme si ça vendait. Et on va rajouter un truc de stockage. Parce que c'est aussi le but de notre travail, hein, c'est de saturer le marché. Et alors là, comment on fait? Eh bien c'est très... Non, on fait pas ding dong. On fait hop, on te détruit toi, parce que tu nous sers à rien. Et on installe des confrères à toi qui sont bien plus utiles. Et arrête de faire de la fumée. Allez. Ah non, chevauchement ici. Ok. Hop là. Hop là. And hop là. On a du stockage. Gérer les imports mondiaux. Exporter. Voilà. On est bien. On est bien parce qu'on a, masse stock. Donc ce qui fait que la production aura beau aller massivement ici sans être revendue. D'ailleurs on en a revendu, maintenant on peut le dire, on le sait. Pétrole brut, voilà. Mars, année 1. Ça c'est de la ville rentable, hein. C'est de la ville de type rentabilité. Et donc voilà, on a notre nuage de... notre nuage de récupération de pétrole qui va être créé petit à petit pour avoir un maximum de récupération de pétrole et d'exploitation de ce susdit pétrole dans la vente et la génération de money money. Et ça marche bien les amis, c'est ainsi que ce premier épisode va se terminer, ce premier épisode de cette nouvelle ville va se terminer. J'espère... Ah, on va vérifier juste un truc ici. Passagers 858 par jour, on a 2000, on a 10 000 passagers, ça veut dire qu'une personne sur 10, un peu moins, hein, une personne... pas une personne sur 10. Bref, un peu moins, une personne sur 12 je crois. Ouais, sur 12 ça doit faire 0,8, donc ça doit être à peu près bon. Une personne sur 12 en gros utilise le train tous les jours pour aller récupérer du travail, je pense. Je suis industriel, donc Je suis industriel va avoir masse de travailleurs. Et cette ville là va avoir masse de travail.
Et théoriquement, on arrive à se retrouver dans une économie stable et logique et réelle à quelque chose à l'équilibre. Parce que, comme partout, on va faire un cours de démographie, hein, mais on a pris l'habitude en France d'avoir des pôles d'habitation et des pôles d'industrialisation. Parce que c'est plus efficace et tout. Pétrole à gogo, pomper 10 000. Ok, je suis beaucoup trop rapide. Je suis beaucoup trop rapide pour vous, les gars. Est-ce que par hasard, avant de me barrer. Eh ouais, siège pétrole. Le siège pétrole. Le fameux. Qu'on va mettre. On va le mettre où, le siège pétrole? Le siège pétrole, c'est possible de le mettre ici. Dans le RP, c'est possible. Je sais pas trop si c'est vrai, mais bon, on va dire que c'est vrai. Bon, bref, on se laisse, on se dit à la prochaine. C'était Unster Bleacher. Oh yeah. Allez, bye bye.